c'est un projet qui, voilà, 4 ans, hein, c'est 4 ans de gestation pour l'imaginer, le décrire, le dessiner et puis le construire. Il y a un an, le pôle culturel et maintenant la médiathèque. Donc voilà, la commune est en train de s'équiper de bâtiments de façon à pouvoir développer ses activités culturelles qui étaient très attendues depuis de nombreuses années. Une médiathèque, c'est pas un lieu comme les autres. Une médiathèque, c'est un lieu où la République voit ses valeurs vivre, où on transmet, où les échanges se font, où il y a une vie dans nos centres-villes et nos centres-bourgs. Une médiathèque, c'est un peu une maison de la République. C'est une maison où vous avez les générations qui se croisent, qui se voient, qui échangent. Ce bâtiment qui était vieillissant et qui datait, il fallait l'intégrer dans les constructions modernes et dans cette construction environnementale et non consommatrice d'énergie. Et puis ensuite... C'était les deux objectifs que nous avions, une modernisation d'un bâtiment vieillissant et intégré aux normes environnementales, et puis cette réponse à une médiathèque au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du numérique. Donc la vidéo au travers des films, il y a les CD hein, au travers de la musique, puisqu'il y a un rapprochement avec la partie musicale. Et puis dans la médiathèque, c'est aussi des espaces pour les tout-petits, pour les enfants, pour la jeunesse, mais pour tous les âges. Et puis des espaces qui vont être dédiés aux établissements scolaires, puisque ce sont les classes qui viendront se délocaliser dans les espaces dédiés à l'intérieur de ce bâtiment. If you had plenty money, 22. If you let all the woman make a fool of you, right?